Eh bien, salut à tous les amis, c'est JB. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de la collection Switch, les amis. Donc je vous avais fait il n'y a pas longtemps la vidéo collection PS4 et PS5. Hein, donc je ne sais pas si je les ai encore mis. J'ai déjà mis la vidéo en ligne PS4, mais PS5, je n'ai pas encore mis. Hein, donc là, on va s'attaquer à la Switch. Donc il y a combien de jeux sur la Switch? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. On est à peu près sur 52 jeux Switch, dont un troisième qui est en loose. D'ailleurs, c'est assez bizarre, mais j'avais aussi un Pokémon Snap en loose. Je le trouve pas, ou alors je l'ai vendu, je ne sais plus, mais je le trouve plus. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc là, les jeux Switch, enfin, j'ai pu parler. Les jeux Switch, on est sur 53 jeux. Faut savoir que c'est principalement que des exclusivités, hein. Y a aussi des jeux, évidemment, éditeurs tiers, mais enfin, du moins d'autres consoles. Mais c'est principalement des exclusivités. Moi, faut savoir que la Switch, je fais essentiellement que les exclus. Je fais aussi les autres jeux également, mais vu que la Switch, le truc aussi, ce qu'il y a, pourquoi je fais que les exclus, bah c'est parce que la Switch, bah, le problème des autres jeux, en fait, bah, c'est souvent des jeux qui sont vraiment en déca sur la Switch. Hein. Sur d'autres consoles, ils sont plus jolis, donc je préfère privilégier les autres consoles. Et quand ça sort uniquement sur Switch, bah, je prends évidemment la version Switch. Il faut savoir que sur la Switch, j'achète très très rarement des jeux des maths, parce que je trouve que c'est un peu cher et aussi également, bah, je préfère avoir mes jeux en physique sur la Switch. Donc en général, ce que je fais, j'achète sur Amazon. Les jeux sont proposés en moyenne à 45 euros. Ou alors j'attends des baisses de prix. Mais bon, le problème avec Nintendo, les baisses de prix, c'est assez rare. Donc, ou alors je cherche d'occasion, sur moyen d'occasion, de trouver des petits trucs intéressants. Alors, on va commencer avec un premier jeu. Bon, c'est un jeu en loose. C'est le Mario Kart Deluxe, hein, qui est génial ce jeu, hein, Mario Kart Deluxe. Hein. Voilà, bon, ça honnêtement, je ne l'ai pas en boîte. Hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc, on commence avec le Bayonetta Cereza and the Lost Demon. Voilà, bon, celui-là, je vais pas vous mentir, la plupart des jeux Switch que je vous présente, c'est une console en fait qui est assez marrant en fait. J'aime bien voir les jeux, je joue aux jeux, mais j'en ai pas fini beaucoup en fait sur la Switch. C'est une console que bah, je joue, j'essaye, c'est pour ça de temps en temps de me motiver, de jouer en mode portable hein, pour me dire d'en finir quelques-uns. Ça, c'est une console, vraiment, les jeux, je prends vraiment beaucoup de temps à les terminer. Hein, c'est voilà, c'est comme ça. De toute façon, malheureusement, ce qui est malheureux avec la Switch, c'est que même si on veut attendre une baisse de prix sur un jeu, bah, c'est Nintendo, ils baissent rarement leurs jeux. Donc, à moins de trouver d'occasion, bah, en baisse de prix, bah, c'est un peu compliqué. Voilà, donc nous avons, comme j'ai dit, le Bayonetta Cereza and the Lost Demon, hein, qui était assez sympa ce jeu. Hein, c'était une sorte de jeu enfin, du moins, en vue du dessus. Voilà. Nous avons également le White Knight. Voilà, c'est un petit jeu, ça j'avais acheté à la Summer Geek Festival qui avait lieu à le Tourne Expo. Hein. J'avais acheté ça sur le stand Smartoy. Un jeu vraiment que j'avais complètement oublié ce jeu quand je l'avais. Bah, quand je l'avais. Je m'en souviens de ce jeu il y a quelques temps, quand je l'ai vu. Bon, à 20 euros quand même, mais c'est un jeu qui est. C'est un survival horror en fait, dans un monde avec du noir et blanc et tout. C'est assez sympa, j'ai joué il n'y a pas longtemps, c'est assez cool. Je n'ai pas encore fini, il faudrait que je retente. Nous avons également le Disney Illusion Island. Ben ça, c'est un super jeu, honnêtement, ce petit jeu de Disney Illusion Island. Il est vraiment très très bien. Je n'ai pas fini non plus, mais je pense que ça va être un jeu que je vais sûrement faire prochainement. Enfin, du moins, essayer de terminer prochainement. Il est assez sympa, il est assez cool. Il y a même dernièrement, je pense, une mise à jour gratuite hein, qui rajoutait du contenu supplémentaire. Hein. Voilà. Donc le Disney Illusion Island. Nous avons également le Yoshi Crafter World. Ça, c'est un jeu que j'avais acheté dans une brocante, je pense. J'ai dû payer 10-20 balles, un truc comme ça. Petit jeu aussi très sympa, ce petit Yoshi Crafter World, voilà. Ensuite, nous avons le Pokémon Violette, Violet, comme vous voulez. Bah, c'est un Pokémon, j'achète tous les Pokémon à la sortie, au final, j'y joue presque pas, quoi. Je sais pas pourquoi, en fait, mais bon, j'aime bien encore les avoir dans la collection, pour me dire au moins, si j'ai envie de les faire, bah, je les ai. Voilà, le Pokémon Violette, Violet, voilà. C'est vrai que les Pokémon, ça a bien changé depuis les premiers. Nous avons également, bon ça c'est un jeu Switch qui est sorti également sur PS5, mais bon j'ai préféré le prendre en version Switch pour l'avoir en mode portable, hein, parce que oh là, je dis ça c'est bien, on peut jouer via console, et c'est pas non plus des jeux qui nécessitent non plus des graphismes de malade.
Donc le Jurassic Park, voilà, collection Jurassic Park. Et aussi, je l'avais pris parce qu'il est vraiment pas cher. Je pense que je l'ai payé 25 euros sur Amazon, je pense. Donc il regroupe plein de jeux Jurassic Park, bien entendu. Hein. Voilà, c'est plus du style rétro. Voilà. Ensuite, un petit jeu que j'avais acheté à Smarteuil il y a quelques temps, le Yono, hein, The Celestial Elephant. Voilà, c'est un petit jeu d'énigmes, hein, Yono, voilà. Petit jeu d'énigmes, hein. Ça passe, mais c'est pas le jeu de l'année, mais c'est correct, on va dire. Également, le Astral Chain, voilà, ça je le cherchais il y a quelques temps, pendant super longtemps, je le voyais jamais. Une fois, je l'avais trouvé dans mon cache à 25 euros, j'étais assez content. Voilà, Astral Chain, pardon, qui est assez chouette comme jeu. Ensuite, ce petit jeu, pareil, ça je l'avais acheté en vide-grenier, je pense que j'avais payé 10 balles. Le Classic Game Collection, qui regroupe le Livre de la Jungle, le Aladdin et le Roi Lion. Voilà, trois jeux en un, ça c'est cool. Voilà, ça aussi je le garde dans la collection, c'est des jeux assez chouettes. Le Splatoon 3, voilà, Splatoon 3. Sur la Switch. Ensuite, le Mario et Lapin Crétin. Le Shark of Hope. Il est assez sympa ce jeu, mais je ne l'ai pas fini. Le Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours, bah ça j'avais vraiment, comme vous voyez, j'avais payé 20 balles dans un cash. Et quand je l'ai vu à ce prix-là, je dis oh, putain, à ce prix-là, je vais le prendre. C'est vraiment un très bon prix. Voilà, Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours. Voilà. Ensuite, nous avons le Shin Megami Tensei 5. Bon, alors que ces jeux-là, c'est des jeux que j'ai pas acheté plein pot. Hein, tout ce qui est RPG comme ça. C'est des jeux que j'ai vraiment eu pour une bouchée de pain. Je pense que j'ai payé 20-30 balles sur Amazon, enfin sur MediaMarkt. Donc à ce prix-là, je les avais, enfin une bouchée de pain, c'est quand même 20-30 balles, mais je ne les avais pas payés plein pot. Voilà, Shin Megami Tensei numéro 5. Nous avons également le Xenoblade Chronicle 3. Voilà, Xenoblade Chronicle 3, pas trop joué celui-là. Nous avons également le Fire Emblem Warrior Triops. Voilà, ça paraît, comme je dis, c'est des jeux que j'ai payés sur MediaMarkt à entre 20 et 25. Le Pikmin 3 Deluxe, voilà, il faudra vraiment que je le fasse aussi celui-là. Ensuite, nous avons le Pikmin 1 et 2. Voilà, Pikmin 1 et 2, la petite compilation avec les deux jeux dedans. Le Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Voilà, Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Petit mouzou, quoi. Le Zelda Skyward Sword HD. Ça, je l'avais acheté en brocante, mais j'ai quand même payé 30 balles hein, ce jeu. 25 balles, je sais plus, mais là, je m'en souviens que la personne, elle voulait pas trop négocier. J'ai quand même payé 30 balles, je trouve ça un peu. Enfin, pas non plus cher, mais je l'avais pas, donc je l'avais pris pour ça. Mais bon, c'est vrai que c'était pas non plus pour rien en brocante. Hein. Le Pokémon Diamant Étincelant, voilà, ça c'est. Enfin, je l'avais commencé ce jeu, je l'avais pas fini, mais il était pas si mauvais que ça, hein, ce petit Pokémon Diamant Étincelant. D'ailleurs, c'est marrant, attends. Je suis en train de me demander si c'est pas. Si c'est pas un peu la même version que le Pokémon DS, en fait. Je me rappelle plus, en fait, si c'est un remake ou un remastered ce jeu, je sais plus. À vérifier. Le Mega Drive. Classique, voilà, sur Switch, je l'ai acheté en solde il y a quelques temps dans mon Carrefour à 10 balles, j'étais assez content. Pour 10 euros, je me suis dit, à ce prix-là, je le prends, c'est pas très courant de le trouver sur la Switch. Ensuite, nous avons le Super Hero Girl Teen Power, bon, ça c'est un jeu, j'ai vraiment pas eu cher, hein. Sur la Switch, j'ai payé 7-8 balles, je pense. Le Turtle The Core Manga Collection, voilà, petite collection Switch de Tortue Ninja, voilà, pareil, ça je l'avais aussi avant en boîte sur PS5, mais bon, j'ai préféré l'avoir sur la Switch. Ensuite, nous avons le Dragon Quest Trésor. Voilà, Dragon Quest Trésor. J'ai joué un petit peu à celui-là. Ensuite, nous avons le Oddworld Munch Odyssey. Voilà, le petit jeu Oddworld. Hein, c'est assez connu, hein, c'est classique. Le Kirby Return to Dreamland Deluxe. Hein, voilà, super jeu celui-ci. Petit jeu en 2D et tout. C'est assez chouette, hein, ce petit jeu. Le Super Mario RPG, que je suis en cours en train de faire actuellement. Il est pas mal du tout. Il est vraiment très très bien. Super Mario RPG. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté en solde il n'y a pas longtemps. Le Gerda, une flamme, une Winter. Voilà un petit jeu qui m'intriguait. J'ai acheté en solde. Alors, quand même 15 euros. Ça, super jeu. C'est un jeu que j'ai vraiment. C'est en train de le faire celui-là actuellement. Le Theatrhythm Final Barline. Il est génial ce jeu. Il est vraiment très très bon avec toutes les musiques de Final Fantasy hein, et d'autres jeux tirés. Des jeux vidéo genre Nier. Mais je pense que c'est à l'achat payant, je pense. Voilà, c'est un très bon jeu celui-là. Nous avons également le Bayonetta numéro 3. Il est proposé très souvent en solde celui-là, dans les 20 balles en général. Le Metroid Prime Remastered. Voilà, Metroid Prime Remastered. Assez sympathique.
Ensuite, nous avons le Pokémon Let's Go Evoli. Ça, je l'avais fait. Je l'ai quand même gardé celui-là parce que ça me rappelle vraiment beaucoup le premier Pokémon qui était sorti. Donc, très très nostalgique celui-ci. Nous avons également le Pokémon Arceus. J'avais pas fini, mais il était bien, mais il était pas non plus fantastique non plus. Le Collection of Mana, voilà, petite compilation avec trois jeux dedans. Donc, on a le Mystic Quest, Secret of Mana et Trial of Mana. Voilà, assez chouette. Tourmented Soul, bon ça je vous avoue ce jeu quand je l'avais vu dans un de mes carrefours quand j'ai vu le prix il était vendu 5 €. Donc j'ai dit bah, 5 € je vais le prendre. Hein. Il était en rayon, j'ai vu 5 €, j'ai dit ok 5 €, bon allez, on va le prendre, hein, pourquoi pas. Donc à 5 € j'étais assez étonné. Voilà, Tourmented Soul. Petit jeu ça j'avais acheté sur MediaMarkt à 10 balles je pense. Un petit jeu de catch, le How Wrestling Fight Forever. Voilà, petit jeu de catch, assez sympa pour le coup. Petit Splatoon 2 que j'avais trouvé en brocante, ça j'avais payé 5 € je pense, ce petit Splatoon 2, voilà. Ça c'est un petit jeu que j'avais acheté à Dreamland en baisse de prix, vraiment je connaissais pas du tout, c'est un petit jeu 2D, d'énigmes et tout, ça c'est chouette. Le Tal of Synapse Chaos Theory, j'avais payé ça, je pense j'avais payé ça 15 €. Ensuite sur la Amazon, le Kraken Academy, ça j'avais joué via le Game Pass, j'avais bien aimé. Donc là bah, je l'ai repris sur la Switch, hein. Je l'avais pas payé cher non plus, hein. Je pense que j'ai dû payer 10 balles, un truc comme ça. Ensuite, nous avons le retour de Détective Pikachu. Bon, le jeu apparemment n'a pas eu de très très bonnes notes, hein, mais bon, je l'avais pris à la sortie. Voilà. Ensuite, nous avons le Endless Luminous. Voilà, Endless Luminous que j'ai déjà joué un petit peu. C'est assez sympa. Ensuite, le Zelda Tears of the Kingdom. Je n'ai pas beaucoup joué à celui-là. J'ai juste fait le début et je me dis toujours qu'il faudrait une fois que je retente un petit peu. Après, je ne vais pas vous mentir. À un moment donné, si je vois vraiment que j'adhère pas, ben, je le revendrai sûrement, hein, je pense. Hein, mais voilà, on verra bien. Le Princess Time, le Princess Peach Showtime que je suis en train de me faire actuellement, il est pas mal du tout, franchement. Au début, je ne vais pas vous mentir. J'avais un peu peur qu'il soit nul et au final, j'aime bien. Il est vraiment chouette, je trouve. Et voilà, c'est chouette. Ensuite, nous avons le Mario versus le Donkey Kong. Voilà, ça c'est sympathique aussi. Je me rends compte que mon chien il a joué avec et la boîte elle est un peu abîmée. Parce qu'une fois j'ai retrouvé la boîte à terre. Le Pikmin 4, voilà, Pikmin 4, hein, assez classique. Hein. Le Zelda Breath of the Wild, ça je l'avais acheté à un copain, il me l'avait fait à 10 balles. Il m'avait fait à 10 €, j'étais assez content. Voilà, Zelda Breath of the Wild. Ensuite, bah, ce jeu-là, je m'en doutais un petit peu qu'il allait être rare pour la suite. Hein. Le Super Mario 3D All-Star, hein, voilà. Évidemment, je l'ai gardé dans la collection celui-ci parce que, bah, avec ce qu'ils ont fait Nintendo quand ils ont sorti ce jeu en édition limitée, et que maintenant le jeu, bah, limite, il a une cote. Hein, je pense qu'il se vend. Enfin, à Smart Toy, je l'avais vu, il le vendait 100 balles, ou peut-être plus, je sais plus, mais moi, sur Vintage, je bosse souvent entre 60 et 80 €. Donc, voilà. Donc moi ce jeu-là, bah, évidemment, je l'ai gardé dans la collection, hein, parce que voilà, c'est quand même un jeu à garder, ça. Hein, parce que dedans, on retrouve bah, le Mario 64, que vraiment je kiffe. Après, c'est vrai qu'un Nintendo, ils sont intelligents quand même. Hein. Ces jeux-là, cette liste des portages HD améliorés, mais il n'y a vraiment pas de. Voilà, il y a vraiment pas de supplément, quoi. Après, ce qui est bien aussi à l'intérieur, c'est qu'il y a les soundtracks également à l'intérieur. On a le Mario Sunshine et le Super Mario Galaxy. Voilà, ça c'est cool. Voilà. J'aime bien ce support. Après, c'est vrai que ça reste vraiment que du lissage. Moi, je l'avais acheté 9, je l'avais acheté 40-45 €, je pense. Ensuite, nous avons le Marvel Ultimate Alliance 3. Ça, c'est un jeu que je cherchais et je l'avais trouvé une fois en brocante à 10 € l'année dernière. J'étais assez content parce que je cherchais. Ensuite, le Luigi's Mansion 2 HD ah. que je suis en train de faire actuellement. Il est pas mal du tout, franchement. Je m'éclate bien en ce moment. Le Luigi's Mansion 3. Voilà, et c'est la version que j'ai achetée en brocante il n'y a pas longtemps à 10 € parce que bah, mon autre version, vous savez, elle avait pris un peu un liquide bizarre. Voilà, le Gilles Monson 3. Le Pokémon épée, voilà, Pokémon épée. Et dedans, en fait, la petite astuce, c'est en fait, c'est pas le Pokémon épée standard. Dedans, on a le Pokémon épée plus Explosion Pass, donc avec l'Explosion Pass à l'intérieur. Et ensuite, nous avons le Paper Mario, voilà, Paper Mario, que je sais pas vous mentir, j'ai toujours pas essayé. Faut vraiment que j'y joue, hein, j'ai toujours pas lancé. Apparemment, il est très bien. Et le jeu est pas dedans. Je pense qu'il est dans ma petite boîte, je pense, à vérifier quand même. Mais ouais, normalement, il est dedans. Et normalement, j'avais aussi ces deux jeux-là. Mais je vais pas vous mentir, je ne vais pas les garder. Ceux-là, je vais les vendre parce qu'au final, c'est un peu des jeux pas terribles. Donc, il y avait le Perky Little Thing. Hein, c'est un jeu de cul, hein, faut le dire. Hein. C'est vraiment un jeu de cul. Hein. Sans mentir, c'est un jeu où vous voyez vraiment des femmes toutes nues, enfin des hommes tout nus, c'est vraiment un jeu bizarre quoi. Il y avait également le Snack World aussi, mais ça pareil, je ne garde pas parce qu'au final j'aime pas trop.
Donc voilà les amis, donc voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.